obligé d'y répondre parce qu'on a oublié une chose super importante. Ça fait à peu près 15 minutes de route qu'on fait, 20. Puis on a oublié quelque chose de vraiment important. On a oublié Tig. On a oublié Tig dans la salle de bain. Je l'ai enfermé là pour pas qu'il saute dans la maison, pour qu'on soit prêt à partir avec lui. Puis on l'a oublié dans la salle de bain. Fait que là, je me demandais comment ça, j'entendais pas miauler. Puis ça, j'ai fait. On a oublié. On est tellement énervés, on a tellement de choses en tête qu'on est parti sans le matou. Fait qu'on revient de bord, on s'en va chercher notre chat. J'arrive pas à croire qu'on a oublié ton chat. Hi baby! Hi baby! On t'a oublié! Trop concentré, puis les préparatifs de départ, puis plein d'émotions. On a oublié le chat. Je sais pas vraiment pas comment ça puisse avoir passé, mais en tout cas, on l'a fait. Il aurait peut-être aimé ça qu'on l'oublie, hein? Peut-être que oui. On s'en va chercher Danny au concessionnaire. Il allait porter sa voiture pour la porter à son travail avant de continuer notre route. Cassie, on part. Cassie, elle dit, elle pas ramassé, papa n'a pas ramassé son chat. Je dis, quand on reculait, là, je pense qu'elle rentrant dedans. Ou... Genre, c'est impossible qu'elle n'ait pas ramassé papoute. Là. C'est Chris. Elle dit, ouais, c'est vrai, elle l'aurait pas oublié. Ah non, moi, jamais, si j'aurais pensé que. Ben oui, qu'on était capable de faire ça, qu'on était des parents de même. Ouais. C'est un signe, ça, fallait que tu le laisses à la maison avec nous autres. Ouais. Testing the turning radius. I can never repair you up. Oh, ouais, jamais. Non, tu m'as déconseillé. Le départ est dur, mais il faut continuer le chemin. Ouais. On s'en va rejoindre sa femme. On s'ennuie trop. Ah, ah oui, c'est ça. Officiellement, plus officiellement, parce qu'officiellement on est parti ce matin, mais là c'est plus officiellement, on met la route pour vers la Floride. On sait pas encore si on va s'arrêter dormir, mais c'est sûr qu'on le fait pas d'une traite. De refaire en nuit, mais peut-être, on n'est pas pressé, c'est pas le but d'être pressé. Le but c'est de ralentir, de profiter de notre chemin. On a timé notre départ par rapport à la météo aussi, parce qu'aujourd'hui c'était une journée qui était plus douce, il fait 10 degrés, il annonce 15 degrés. On a quand même le petit chauffage à point, mais je pense qu'on va pouvoir l'éteindre. Wiper, ils ont deux vitesses. Il y a slow puis ultra slow. Comme les gros camions, on se met des crash-ers. Ça roule très vite ici, mais c'est sûr qu'on ne peut pas se ramasser, mais les camions dans notre voie, on est crash-ers aussi.
Même pas besoin de mettre l'huile. C'est à cause que le moteur, il run pas assez chaud. Pour être sûr que c'est bien chaud, mais j'ai fermé les entrées d'air. Fait que là, je le viens d'enlever d'un autre côté, ça s'est réchauffé dehors. Fait que le moteur, il atteint au moins sa température de fonctionnement, ce qui est mieux qu'avant, que c'était à peine que l'aiguille levait. Fait qu'on a vu ça pour bon pour le moteur neuf qui est bien rodé. Ben, en tapant les entrées, là, ça allait aider pas mal la température. Sur une voie payante en New York il y a un mois. Là, il faut payer la facture. Site internet fonctionne pas. Application fonctionne pas. Téléphone fonctionne pas. Fait que là, on est encore en attente au téléphone. On en a pour 15 minutes. Attendez-vous ce râteau-là. C'est notre sac de toit. C'est les straps qu'ils tiennent. On a essayé de mettre des guenilles autour. Là. On pourrait trouver une meilleure solution. Disons que c'est irritant un peu. Je dirais là, que c'est à peu près autant irritant que quand David avait un problème avec son idol puis qu'on arrêtait à chaque lumière puis qu'il disait « l'idol est trop haut, l'idol est trop haut ». C'est à peu près pareil. Le truc de la guenille, là, ça a vraiment pas marché. On va essayer de la repositionner différemment, de voir si ça peut fonctionner. Mais qu'on ait un bungee, on pourra l'attacher comme bungee, on va l'essayer ça, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, nous autres. Deuxième essai. Ouais, mais tu sais ce que ça dit, hein? Jamais 203. Ah, 3, c'est vrai, dit ça. That's good. Ouais, on va tout de suite en Floride, on va bien trouver une solution. Pour passer 80 km/h, il faut attendre de finir de monter à la côte. For 279 km, continue straight. On a atteint le 80. Prise 3, on essaie de réparer le râteau. En français, c'est quoi? Râteau prise 3. La vitesse critique. On n'entend rien. Non. Ok, je pense qu'on est mieux d'abandonner le projet.
Volkswagen à Chattanooga. Là où ils font les Atlas, les Passat, puis ils décapent. Mais j'ai vu sur Internet, puis l'usine est fermée pour les visites. Malheureusement, on n'a pas pu arrêter. On est jamais dans le trafic, mais un bon côté à ça. Il n'y a plus de râteau sur le top pendant ce temps-là. On ne pourra pas coucher où on voulait coucher parce qu'on est trop tard à cause du trafic d'attente. Là, dans le fond, on est trop tard, ça ferme à 5 heures. C'est que nos amis nous ont fait un beau cadeau de Noël. On a l'application Harvest Host. Puis on peut booker puis tout ça, c'est gratuit. Puis là, j'avais trouvé une place où est-ce qu'il y avait des pêches puis des pécanes avec un petit market puis un petit café. Je pensais qu'on allait être capable de dormir là, mais finalement, on peut pas parce qu'on est trop tard. Mais fait que j'espère que l'option Walmart te dérange pas pour ce soir. Pas le choix, les Walmart sont ouverts tard, fait qu'on peut utiliser les toilettes. J'ai oublié le bouchon à gaz à la dernière station de service. Fait que là, j'ai plus de bouchon à gaz. Thème blue tape sur l'avant. Tu sais, quand ça fait trois fois que tu essaies de quoi, puis tu essaies la même chose, puis au début je pensais que ça l'améliorait, mais ça a absolument rien changé. Mais mon beau bruit là, et j'ai pensé quoi? J'ai mis du poids en haut, j'ai à peu près 100 livres dans la piscine en haut. Puis là, ce qui arrive, je pense que ça l'a appuyé dans la piscine, fait que ça l'a levé le devant de la fibre de verre en avant là. Ça doit être ça le bruit. On va le chimer temporairement. We're from Quebec. Quebec, Canada. Welcome to America. Thank you. Man. You're good, man. Oh my God. Oh, this yeah. is so beautiful. Is this a camper? Yeah, it's a camper. It's a Westfalia. It's a 78. Oh my word. I was born in 1969. Yeah. So, this, oh man. Oh yeah, this is one great vehicle. Oh my God. It's a fun trip. That's all I want to do is live in that. Yeah, that's what we're doing. We sold our house and everything, and that's all we have now. Oh man, what's your name? David. David, I'm Van. Yeah. Hi, Van. Yeah, I'm Van. Cool. Can you open up the side door? Yeah, sure. You do have a seat for an hour. A bed is made just for tonight. So we're going to do a bit of 20 minutes and we're going to crash. Y'all just. I just built a model of this exact vehicle. Oh, yeah, cool. It's small? But No. Oh, nice. That's perfect. No, look. Yeah. I was in the Coast Guard, so I'm used to tight, small spaces. Yeah. That doesn't bother me. Yeah. There's two ways I can live, like this or on board a sailboat. Yeah. We had a sailboat. We just sell it, No, y'all didn't. Yeah. Would you mind if I said a prayer over y'all? No. Okay. Dear God, I want to thank you for this day and thank you for letting me meet these wonderful people. I want to ask you to bless them and watch over them as they travel. Keep them safe and help them to just enjoy life. In Christ's name I pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Me. Thank you. Ça, c'est vraiment trop drôle. En fait, c'est même pas drôle, c'est wow. Du monde de même, c'est OK, je suis pas croyante, tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important, c'est le geste. Ça fait partie du voyage, mes amis. Fait que j'ai réparé. Probablement mon râteau. J'ai vérifié l'huile et j'ai mis zéro goutte d'huile. Ça va bien. Là, on s'en va à notre prochaine destination pour faire de l'eau. Walmart! Après ça, on va souper. Puis demain, on se lève. Puis on. Proceed to the route. Puis on proceed to the route. C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on entend? Ou qu'est-ce qu'on n'entend plus? At the light.
Use the right lane to turn onto Hudson Bridge. Ouais, elle, en tout cas, c'est sûr. On n'a plus de râteau. On n'a plus. Gone. Fini. Réparation de fortune. Ça a fonctionné.